Donc oui, je disais, c'est possible que notre cher Evan Bell et Rage Quit Dark Deity, parce que ça avait l'air aussi chiant que Floppy Knight. J'ai pas trop d'idées de si on quitte ce jeu de mort, de ce qu'on va faire par la suite. C'est possible que la série de l'été est prête, hein. Donc peut-être qu'on va faire ça. Mais on va tenter, et comme je disais, j'ai plein de thunes maintenant. Donc je vais vous montrer. C'est très fort pour moi, je crois que j'ai pas géré le son. Là, ça devrait être bon pour vous aussi. Donc, j'ai fait, regardez, tous les objectifs sont presque faits, comme je l'avais dit déjà, et j'ai avancé ici. Bon, celui-ci, c'est vraiment l'enfer, faut battre le géant de lave en 20 tours. Et j'ai fait 2-3 trucs de ce côté-là, donc voilà. J'ai essayé. Du coup, j'ai un peu de thunes pour acheter des cartes en plus. J'ai 110 balles. Ah oui, vous voyez pas, attendez, faut que je switch, bien entendu, je n'étais pas du tout prêt. Comme vous avez pu le voir. D'ailleurs, je peux vérifier, mais normalement, je charge. Oui. Hop. Alors, c'est où mon deck de la mort? Voilà. Voilà. Donc du coup, si je fais ça, ça marche. Voilà. Donc vous voyez maintenant en haut que j'ai bien 110 balles. Ces 110 balles-là vont nous servir à acheter des trucs. Par exemple, ça peut être intéressant parce qu'en fait, j'ai quand même un peu triché. J'ai vu les trucs que les gens avaient en deck. Enfin, une vidéo. J'ai regardé une vidéo. C'est pas vraiment de la triche du coup. C'est beaucoup d'attaques et beaucoup pour avancer. Donc, par exemple, ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, ça, c'est selon le nombre de personnes qui sont dans la map, ça me permet d'avancer. Donc ça pourrait être intéressant à acheter. Et du coup, j'ai vu que beaucoup de gens jouaient du coup aussi avec la deuxième, qui permettait d'avoir des attaques gratuites. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc en fait, max d'attaque et d'enchaînement d'attaque. Donc ça, par exemple, on va l'acheter. Et on va le mettre dans notre deck avec Sparko. Je me gourre. Donc notre hooligan. Parce que Sparko nous permet, je sais pas pourquoi il fait des multiples de trucs là, d'attaquer plusieurs fois et de bouger plusieurs fois en même temps avec cette carte-là. Et le Total KO qui est gratuit en plus, donc ça c'est bien. J'ai changé aussi un peu les persos, donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de... Enfin, les gens jouaient beaucoup moins avec les monstres. Donc voilà. Alors je me suis un peu tâté sur les armures parce que ça peut être intéressant quand même. Vous avez remarqué que j'ai enlevé beaucoup de vie. Celle-ci, je pense que je vais la garder. Ça, c'est pas forcément nécessaire si on a déjà utilisé le cactus. Donc voilà. Move unit to payback, bon. Voilà, ça c'est vachement nécessaire parce qu'il y a de l'eau. Voilà, donc ça rajoute de la vie. Ça détruit, donc je sais pas si c'est vachement intéressant. Ça aussi c'est pas très intéressant, on va jouer avec moins de cartes. En fait, il faut des cartes qui reviennent parce que c'est... Voilà, c'est un peu plus intéressant. Donc, j'ai payé une carte là il y a 3 secondes. Cette carte c'était... C'était quoi déjà? J'ai plus moi. Elle est où là? Celle-ci, ça peut être nécessaire. Hein, voilà, aussi. Mais j'ai payé une carte, elle est où?
Et déjà rajouté. C'était pas le truc de... Voilà, c'est télécharge. Hop. Donc ça, c'est nécessaire. Ça, c'est les strikes. Ça rajoute des strikes par rapport au nombre d'unités qui est sur le terrain. L'armure, bon, bah ça... Ça, c'est une grande question, parce que, en vrai... Celle-ci, peut-être, on va l'enlever. Et on va mettre celle-ci. Ça rajoutera un peu de mouvement. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire de plus? Est-ce qu'on a d'autres trucs qui peuvent être intéressants? Parce que là, en fait, on joue... Alors, speedtunage, je suis pas assuré. Même si ça fait quand même des attaques à d'autres distances, ça pourrait être intéressant et ça se déplace pas mal. Le cactus, il est de zone. Chucky, j'y crois moyen. J'y crois vraiment moyen. Je sais pas si ce serait peut-être intéressant d'avoir plutôt des archers. Ou Bamboomer, par exemple. Bamboomer, je pense qu'on va prendre Bamboomer, c'est mieux. Parce que Bamboomer, au moins, il s'approche pas, quoi. Chucky, il les fait approcher, ce qui est un peu chiant. Mais Chucky rajoute du déplacement. Par rapport à l'armure, donc... Ah, du coup, on peut peut-être enlever Roots, parce qu'avec ça, on a déjà Roots. Ah, ah. Ah, t'es en pause. Merci, Ringbell. Je t'envoie des cœurs. Bon courage sur Road 96, si j'ai bien vu. Souhaite-moi bon courage, parce que c'est possible que je quitte ce jeu de mort. Voilà. Merci pour le lurk. On pourrait essayer comme ça, déjà avec deux déplacements en plus. On verra vraiment si on a besoin des armures. Celle-ci, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de lancer son armure, parce que je pense qu'on en a besoin vraiment d'avoir de l'armure. Ça permet de tirer une carte d'énergie. Ça peut être pas mal, ça permettrait de rajouter du déplacement potentiel. Augmenter une carte, ça peut être intéressant. Alors, friendly unit, ça pourrait être pas mal aussi, mais bon. On va essayer de rester soft. On va peut-être rajouter juste... alors, Kiver Kill, je sais pas. Hein. Il a vraiment pas de vie. Est-ce que j'ai Behemoth? Ouais, je l'avais pas pris. Bon, on va prendre Behemoth. Même s'il n'y a pas de masse de vie, on va prendre Behemoth. Voilà. J'ai arrêté, je suis bloqué, l'objectif est impossible avec les ennemis complètement fumés à la map où j'en étais. Bah, bienvenue au club, et je pense que ça va être le cas pour moi aussi. Je pense qu'au moins on fera sans doute une pause. Je m'en doutais que pour Dark Deity, j'ai vu un peu un passage où c'était compliqué. Et je crois qu'on en est à peu près au même niveau. La seule différence, c'est que moi, c'est un jeu pour 7 et plus. Je suis heureux. Bon, alors, on se pose tranquillement, on sait ce qu'il y a à faire. Donc, je rappelle, les gobelins, c'est l'enfer. Il y en a deux. Donc, on peut voir un gobelin ici qui se déplace pas mal, mais en fait, on va jouer sur le... Oui, toujours cette map de mort. Et ça va être la map de mort de la fin de ce stream, je pense. Voilà. Je vais abandonner ici. Donc, on a les gobelins qui, eux, se déplacent à deux. Donc, ça va faire 1, 2, sauf que ici... Ça coûte 1 pour traverser. Donc on va se balader, nous, dans l'eau. Il y a moyen qu'on puisse faire ça. Donc c'est pas la mort du streamer. Bah attends. Ça, c'est une autre question. Est-ce que je vais pouvoir continuer à streamer? Ça, c'est une autre question. 3. 1, 2, 3. Donc là, pareil, ils vont avoir du mal à traverser. Donc on va jouer un peu sur ça. Bird's Eye. On va prendre Bamboomer. On va le mettre là. Et on va essayer de taper ce truc là. Ouais, si je me mets là juste, c'est bon. Hein. Bon courage aussi. Voilà, on va sortir Bird's Eye aussi, ça peut être pas mal. Voilà, donc attaque un ennemi, deal dommage, et ensuite ça sort autre chose, donc on verra ce que ça donne. C'est comme ça que c'est les cartes qui étaient sorties d'ailleurs dans le
La soluce que j'avais vue, enfin la vidéo que j'avais vue. D'ailleurs, je précise. Je précise tout de suite, il y a. Dans la vidéo que j'ai vue, on n'arrivait pas à garder du tout les vies de Bernard. Donc, on va peut-être pas essayer de faire ça. Donc, toi, tu as 4 d'attaque, donc tu vas me tuer en 2 coups. Par contre, tu as 6 et j'ai pas 15 millions d'attaque, donc ça, c'est un peu chiant. Donc. Je pourrais faire ça. Il se déplace comment? 4. Donc si je le mets là, même si je galère ici, ça va faire 3. Voire 2. Je sais pas comment ça compte les plus 1 de mouvement. Ça veut dire que ouais, ça fait 2. Donc là je tombe à 2 et là ça fait 1, 2, ouais je pourrais y arriver. Donc on va essayer de faire ça, de le taper lui. Voilà. Donc lui il va galérer à venir, donc on va pouvoir un peu avancer. Parce que là il nous fait un combien? 2, donc il va encore galérer à venir. Très bien. Donc on va essayer d'aller les choper eux. Il va me tabasser. Ça fait 3... 9. Je peux lui faire perdre 9 points. Au détriment de ma vie, ce qui est un peu compliqué. On va continuer ici, de toute façon. Voilà. Et on va essayer de se protéger de lui. Et de lui. Parce qu'il va avancer de toute façon, donc... Bon, on va voir. Ah, ça c'est bien ça.
Si on arrive à le mettre dans l'eau, en plus, encore mieux. Là, il pourra pas, ouais, il pourra pas aller jusqu'en bas. Je vais aller jusqu'en haut, comme ça j'ai bloqué. Voilà. Là, on est bien. Ça serait bien de s'approcher. Ah oui, ils font des dégâts de zone, les gobelins de l'enfer. Oh non, mon bird's eye, peut-être que j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai touché un fil de charge de mon écran. Attendez. 2 minutes. Je vais mettre la pause, 3 secondes, histoire de... C'est un peu chaotique aujourd'hui, désolé. J'arrive. Ok. Ah mais je sais pourquoi ça marche pas mon deck tout de suite là. Ok, ça devrait marcher maintenant. Alors. Faudrait que je me déplace de... 2. Thank you.
On gère un peu le terrain pour l'instant, du moins d'en bas. Il va falloir absolument que j'aille de l'autre côté. J'aimerais bien avoir le behemoth pour ça, si c'est possible dans le prochain tour. D'ailleurs, j'ai pas mis les lumières. C'est peut-être pour ça que je suis dans le sombre, comme ça. Les lumières des 4. T'as la DS, hein. Oh là là là, c'est tellement bien ça. Allez, c'est parti. Déjà, on fait des déplacements parce que c'est nécessaire. Je pourrais le taper ou pas? Ah, je peux le taper maintenant. Voilà. Et là, on a bloqué les pierres. Donc. Oh non, le behemoth est mort en un coup. Oh non, le prochain tour, c'est mort. Oh non, tu spawns pas à la fin du tour, s'il te plaît. Dire que tout se passait bien. Je peux pas le taper. Quel enfer. Peut-être que je peux aller jusqu'en haut sans avoir trop de problèmes. De contrôler ce côté-là. C'est pas gagné. Hein. Ah, c'est le moment de tout claquer. Allez, 2, 4. Ah, donc ça c'est déjà bien. Comme ça au moins on a masse d'attaque. Allez, c'est parti. Faut nettoyer le champ. Ah oui, non, mais ça y est, en fait, ça sert plus à rien après. Oh, j'aurais dû rajouter les 12 steps. Déplacement nul, là. Quel enfer. Offensif avec tous les autres en fait. C'est ça, un peu le problème. C'est là, je suis un peu en bloqué hein, de ce côté-là. J'ai utilisé la ligne d'attaque maintenant, purée. Ça aurait été tellement bien maintenant. Il reste un tour. Il reste un tour. On le fait, c'est fini. Total chaos, super, génial. Je prends. Spituna, ça va pas me servir à grand chose. Hein. Là, le but, c'est de s'en sortir.
Parce que c'est elle qui risque de nous faire chier. On va passer par là. Garder nos deux attaques. 4. Voilà. Et là, on peut s'enfuir. Y'a pas quelqu'un qui va venir me faire chier? Non. Est-ce que t'as pas envie d'aller là-bas pour bloquer cette entrée là Ah bah non. Tu vas te faire taper. Oh là là. Gratuit. Je crois qu'on le fait, hein. Je crois qu'on a gagné, hein. Je crois qu'on a gagné, hein. Ils sont 90 millions, mais on a gagné. On est au 12e tour. Voilà, donc maintenant, tout ce qui nous reste, c'est rester en vie. Je vais garder ma vie. Alors, attendez, parce qu'il faut que je vérifie. Voilà, lui, il va venir me faire chier. Déjà, lui, c'est mort. Je vais faire un move unit après. Je vais aller taper cette personne qui m'embête. Le but, c'est de rester en vie maintenant. Je pourrais essayer d'aller jusque là. En fait, le but, c'est de les empêcher, eux deux, de pouvoir venir. Donc là, il me faudrait deux attaques, chose que je n'ai pas. J'en ai une. On va aller en bas, essayer de régler le compte de notre... On va essayer de régler son compte à lui. Histoire 2. Voilà. Toi, tu te déplaces pas mal. Toi, tu te déplaces moins bien. Et on s'en va. Normalement, ça devrait le faire. On a gagné. Oh, un voleur de pommes, une pomme voleuse, trop bien. Je prends cette carte. Hein. Il y a Smoke Bomb, c'est génial, j'adore ce genre de truc. Bernard, es-tu ok? Mes héros, mes héroïnes. Qui vous êtes, bande de... Je sais pas. Medler, je sais pas. Ah, c'est le duo héroïque Phoebe et Carlton. Mec, ce... Duo héroïque reste pas mal depuis la dernière fois. J'ai demandé à ce que tu quittes la caverne et tu es parti dans les mines. Oui, parce que Bernard était parti dans les mines, hein, je rappelle. Parce que là, on est dans la mine de d'une énergie particulière, hein, voilà. Tu as des rochers pour comme cerveau, tu as des cailloux comme cerveau. Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu voudrais qu'on quitte cette pièce? Les gobelins, c'est le moment de se rallier. Mettez la préparation pour l'embuscade. Et ainsi soit-il. Et ainsi s'en vont-ils, plutôt. C'est vraiment une embuscade, hein, si tu vois ce que je veux dire, hein, si tu vois le truc arriver. Franchement, Bernard, tu devrais vraiment partir d'ici. Le chemin que vous avez pris est très... is all caved in, ça veut dire que c'est écroulé, j'imagine. Ah, je me rappelle que le mineur qui nous avait demandé... que le mineur nous avait demandé de trouer, enfin de faire une sorte de tunnel. Et que ça a fait écrouler beaucoup de caves dans la, enfin de chemins dans la mine. Donc on est bloqué ici. Oh, ça va, t'inquiète. Si tu restes avec nous, ça devrait aller. On va trouver un chemin. Crois-nous,
On est le duo héroïque. Ah, j'ai pas envie de garder Bernard, hein, pendant tout ce niveau, si ça vous dérange pas. Je n'aime pas comment... à la vitesse à laquelle tu l'as adopté, Carlton. Il a une bonne, il a une bonne bague. Ah, it has got a nice ring to it. Je vois pas. J'adore son visage, par contre. Ok, Bernard. On va aller plus profond dans ces cavernes, mais tu devrais rester safe avec nous. Même si on va forcément foncer dans une embuscade, ça devrait aller. Ah, ok. Montrez-moi la voie, je crois. Et n'oublie pas de faire attention aux rochers qui tombent. Tu es un pro à ça maintenant. Allez, on y va. Bon, je suis très heureux d'avoir avancé. Ça m'a pas permis je vais changer d'ailleurs les informations, je vais faire. Ou peut-être pas. Dans le titre. Ou hors note. Or maybe not. Je sais pas si ça se dit. Or not, je mets. Ok, donc maintenant on va devoir détruire un satellite, c'est bien. Bon, on va aller regarder cette carte de pommes voleuses. 5 de vie, c'est génial quand même. Je veux enlever ça, je veux juste rajouter ça. Ça se déplace bien? Pas du tout. Pas du tout. Mais voilà. On essaye quand même. Donc vous avez vu que j'avais appris 2-3 trucs en faisant des objectifs. Tu sais, quelque chose me dérange. Qu'est-ce qu'il y a, Phoebe? Tous ces gobelins et cette chimérite. Veut cette chimérite de toutes les manières. Quel est le mot? Enfin, à quoi ça sert de. À quoi ça leur sert? La personne en forme de rocher à l'extérieur a suggéré que les gobelins étaient ici pour les vendre. Pour pouvoir les vendre. Oui, mais qui? À qui plutôt? Je ne pense vraiment pas que qu'il y a des marchés qui pourraient acheter ça à des gobelins, sachant qu'ils les ont volés. Ah, c'est un vrai bon point. Tu as raison. Embuscade! Ah. Eh, regardez ça, c'est les idiots qui sont tombés dans l'embuscade. Personne n'est tombé pour rien. On a vraiment juste calculé notre décision pour avancer et engager. Et s'engager plutôt. On ne nous permet pas de laisser qui que ce soit traverser. Et maintenant, tu es entouré parce que c'est une embuscade. Parce que tu t'es embusqué toi-même plutôt. Eh bien, on va voir ça avec mes Floppy Knight. On va vraiment se débarrasser de toi rapidement. Ah! Tu te la pètes pour quelqu'un qui s'est embusqué soi-même. Gobelin, faites votre pire. Je suis un peu team gobelin, hein. J'avoue que là. Ah non, mais j'aime pas quand il y a les spawns à l'extérieur. Faut que je détruise le satellite, en plus ils vont venir 15 fois. Oh là là, mais quelle arrivée de l'enfer celui-ci. C'est pas mal ici en vrai. Mais on peut apparaître qu'une fois. Donc, Spark, tu vas te mettre là-haut, hein, parce qu'on a besoin de toi hein, quand même. Birdseye. Est-ce que Birdseye peut se débarrasser de cette personne? Non. Par contre, Bamboomer pourrait. On va essayer ça. Déjà, on commence. Et on fait du mal, hein.
Ça tombe bien. Voilà. Bon, ça commence bien. Et maintenant, on va se déplacer. Donc toi, tu risques de te pointer rapidement. Toi aussi. Il faut absolument qu'on ramène notre... Ah oui, ça ramène les 1000 cuts en plus. J'ai plus rien de toute façon. Donc, là, je peux rien utiliser. Donc on va devoir attendre. Le début est bien, pour l'instant. Ah, on a peut-être une petite chance qu'il tombe sur les trucs. On peut avoir de l'armure, ça c'est pas mal. Ah, commençons comme ça. On a besoin de se protéger quand même. Histoire que si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et on va se planter juste après ça. Voilà. Ici c'est pas mal. Si je me pointe, je peux ici. Avec un cactus, ça peut le faire. Je me débarrasserai de lui direct. Mais par contre, j'ouvrirai ce chemin. Ce qui est moins intéressant. Bon, on verra après. Je vais même pas regarder les objectifs. Qu'est-ce que c'est que les objectifs? Faut gagner en combien de tours? Parce que ça c'est une histoire de tours, j'imagine. Faut que je détruise tout le monde, ok. Bon, déjà, le total chaos. Je peux rajouter des... assez rapidement. Voilà. Voilà, on va ouvrir un peu le chemin, histoire de... Est-ce qu'on ferait pas un truc où on se place ici pour pouvoir l'avoir lui, en dessous, là? On va faire ça. Ah. Ça se réveille. Donc ça me permettrait d'avoir une charge. Si je ramène le Teen Spirit ici, ça peut le faire. Je pourrais m'en sortir et me retrouver là. Commençons par ça déjà. Si je ramène le Teen Spirit ici, je me débarrasse de lui. Et après, je peux aller jusque là. Mais est-ce que je pourrais faire le deuxième... Non, je pourrais pas me débarrasser de ça tout de suite. Donc on va patienter. Et on va essayer de faire en sorte de se pointer là. Parce que notre cher ami est pas très sympa avec la distance. Franchement, j'y crois moyen. Parce que là, elle va pouvoir taper. Bon, vas-y, on fait ça. Comme ça, on est un peu équipé pour pouvoir se débarrasser de la suite. Clairement moins marrant. Donc ça fait 4. 6. On va rester là. Au maximum. Je pourrais essayer de la toucher, elle, avec le bon boomer. Faudrait que je me pointe là, je crois. Ça va faire 1, 2, 3, et là je pourrais toucher ici. Non, faudrait que je me pointe là. Ah ouais, mais ça devient dangereux pour moi en fait après.
Après, Bamboomer, en 2 coups, il l'a fini. Donc, on va faire ça. Ah oui, dans le chemin. Ah oui, c'est vrai que la distance de Bamboomer est. Comment dire? Pas ouf. Bon, on va se faire de la place. On va se faire de la place. J'ai fait n'importe quoi là. Si je reste là, c'est pas de problème, normalement. Et on va essayer d'attendre que quelqu'un puisse se planter ici. On va se mettre là. Excusez-moi, j'avais enlevé le micro. Est-ce que la ligne d'attaque c'est 3, c'est ça? Ah ouais, du coup je pourrais pas le toucher. Tout le monde est en danger, ok. On va se protéger d'elle. On va juste attendre. On va juste se protéger d'elle. Il n'y a pas de temps, donc c'est très bien. Il est tombé pile au bon endroit pour moi là. Ouh là là, total chaos. Allez. Oui, elle est pile au bon endroit. C'était gratuit ça. Regarde. Hop, bim. Bim. Toi, tu as que 2 de vie. Donc, ce serait bien de se débarrasser de lui directement. Est-ce qu'il va se pointer? Ah non, il va prendre du temps, quoi. Bon, bah, écoutez. Pas grand-chose à faire. Hein. Pas avancer, hein. Elle a un gros déplacement, quand même. Ce serait bien de se pointer avec... avec Bamboomer. Elle veut pas se débarrasser de son truc là. Oh là là. Il y a tellement de gens en fait qu'on pourrait se pointer avec. 3. Faudrait que je me pointe là. Ouais. Là. 1, 2, 3. Mais je vais lui faire 4 de dégâts. Est-ce que je peux aller jusque là-bas? Non. Non. Toi tu as speed increase, donc ça me permet de se déplacer. Et là j'ai les mid-cut. Donc ça, je peux faire ça. Et en fait, voilà, je peux me déplacer avec tout ça. Mais on va utiliser les mid-cut. Tout
tout de suite pour pouvoir se débarrasser directement de elle et potentiellement de lui. Mais vas-y, ouais, merci. Donc là, il faut se déplacer. Non, mais par contre, ça c'était pas cool ça, hein, les 15 cartes max. On aurait dû se déplacer avant. Ok. Bon, pour l'instant, c'est bon. Charge, ça nous permettra d'avancer. Et on n'a pas d'attaque. On va essayer de se pointer là en fait. J'aurais dû le taper lui, mais en fait je vais le faire maintenant. Avec notre bamboomer. On va se placer pour pouvoir le taper. 1, 2, 3. Ouais, faut que je me mette là. Si on attend ici, il va taper deux fois pour pouvoir venir. Bon, là, c'est bon. Calculé, mais ça va être lui qui va être chiant. Oh là là. Parce que j'ai cassé le truc ici. Oh là là. Bon, déjà on a le boost. Ça peut être pas mal le boost. On va essayer de se débarrasser de lui déjà. Ça c'est fait. KO. Si on prend un coup. On aurait dû sortir quelqu'un pour. On aurait dû sortir quelqu'un pour pouvoir taper à deux. Parce que là, en fait, on a. On a deux personnes qui tapent très proche de à une case et 1, 2, 3 cases, c'est pas très 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 aidant. Si je me pointe là. Peut-être qu'il va se déplacer. Ah, ils veulent pas, ils veulent pas se planter. Quel enfer. Ah mais ça va l'ouvrir direct. Alors attends. Faut que lui, il puisse se pointer. Alors lui, il a une galère de déplacement. Donc il va faire 1-2. Et après il va faire 1-2. Et c'est à ce moment-là où je pourrais l'avoir. Voilà. Et après, il faut que je le suive. 1-2. À partir du moment où il est là, je peux le faire quelque chose.
Par contre, faut que je me débarrasse de ces deux-là. Donc avec la ligne d'attaque, ça peut être efficace. Sans m'approcher trop parce qu'il y a E2. Là c'est ouvert, il va se pointer. 1, 2. 1, 2. Il va se pointer ici, je vais pouvoir le taper, ça fera 4. Il va tomber à 10. 1, 2. Là je pourrais faire des allers-retours avec E2. Normalement ça devrait le faire. Hein. Est-ce que tu peux te déplacer aussi loin? Oui. En fait le mieux ce serait de le bloquer là. Donc à partir d'ici, il faut que je le bloque là. Donc il faudrait que quelqu'un prenne le coup. À 3. Non, on va faire un... on va faire mieux même, je pense. On va essayer de se pointer avec Bombonner en fait, parce que le mieux c'est ça, je crois. Un, deux, trois. Voilà, je me mets juste là. Là, je peux le taper. Il va descendre. 1, 2. Là, il faudrait que je me pointe ici, quelque part. On va checker vite fait. Ah oui, alors 1, 2, 3. 2. Et ici, ça sera là. Donc, il faut que je sois ici pour pouvoir l'avoir là. L'avoir normalement, je peux l'avoir. Bon, ça a joué un peu tendu, hein, je trouve. Donc là, il faudrait juste que j'avance ici, que je le tape et que je recule. Et que je me mette là. Ensuite, est-ce que je peux me pointer? Ça fait 1. 2. Là, je pourrais faire 3. Mais du coup, là, c'est trop. On va attendre ici. Fallait que je... En fait, fallait que je me remette là, je crois. Avec Bamboo. Ça me laisse de la place. Ensemble, quel enfer. Et vous, toi tu te pointes là. Ok. Bah écoute, viens. Hein. On croise les doigts pour avoir un strike ou un ensemble de combos pour pouvoir se débarrasser d'une. Oh oui! Oh là là, trop bien. Allez hop. Déjà, ça, c'est pour toi. Ça, c'est re pour toi. Et ça, c'est re pour toi. Ensuite, est-ce qu'on peut faire beaucoup de déplacements pour aller en bas? Non. Par contre, si je me mets là, par exemple, si je descends ici, ça m'aide pas plus que ça en fait.
Je sais plus comment ça se passe les arrivées. Donc on va essayer de se pointer quand même. Hein. J'aurais peut-être pas dû envoyer Sparko essayer de taper le satellite. Ok. Bon, ça a l'air bon. Hein. Si, si! On avance tranquillement. Spinneret, 4 de vie, 3 d'attaque, 4 de déplacement, c'est pas mal ça aussi. Et 1 poison attaque et ça rajoute une lance. Bon, on va essayer. C'est la cam qui veut plus s'enlever. Maintenant t'as tout cassé. À ce moment, à ce niveau-là, ils vont devoir utiliser la drill, donc du coup le truc qui fait les tunnels. Là. Allez les gobelins, allez à la drill. Ou faire de la drill, hein, je sais pas. Le boss ne sait pas comment. Le boss saura comment les arrêter. Le boss? Ah. Mince. Eh, qui c'est? Est-ce que c'est vraiment un gros gobelin? Il y a vraiment qu'une seule façon de savoir. Suivons-les! Est-ce qu'on se rajouterait. Est-ce qu'on va regarder d'ailleurs ce qu'on peut acheter de plus? Oh! C'est quoi ça? Gain, one random positive effect. Ouh, c'est quoi ça? Et. Ah, c'est au hasard, ça t'a du positif et du négatif. Et ça, c'est. Ça rend moins cher une carte. Attaque un ennemi, ajoute un hommage. C'est que de la pure précieuse. Ah oui, donc du coup, ça, je peux l'utiliser n'importe quand. Et Sparko, là? Attaque un ennemi, restaure de la vie, equal to the image. Ah, c'est pas mal ça, sustain on live. Et on a Teen Spirit again. Ça, c'est pas mal. Bon, d'abord, on va essayer de jouer comme on peut jouer avec les decks qu'on a. Peut-être ajouter Spinneret, parce que ça peut être pas mal, parce qu'en vrai, on a deux cactus. Attendez, j'étais pas dans le bon. J'étais dans le plan de deck. Voilà. On a toujours pas essayé ça. Mock, c'est pas mal, mais pas incroyable. On va rajouter Spinneret qui peut se déplacer tout autant. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Moi, je veux voir comment ça joue. Battre Félix, donc c'est Félix le boss, et 20 tours ou moins. Je crois qu'il y a du monde. Lol. Les interlopers, ces interlopes, alors je sais plus ce que ça veut dire interlope, ont détruit nos défenses. Ah oui, c'est vrai, c'est Félix. Quoi, ils ont traversé nos défenses. Mais à quoi je vous paye? Quoi sert de. Oh, j'arrive pas à parler. À quoi sert que je vous paye? Je vous l'ai dit, personne ne devrait arriver. Ne devrait miner de la chimérite. Avant que la chimérite soit minée. C'est vous! Ah, Philomena et Carbuncle, tu dois être les chieurs qui se mettent en travail de mercenaire. Qui c'est? Qui je suis? Mais je suis quelqu'un de très intelligent et de surprenant beau. Un robot. Seigneur. Félix. Qu'est-ce que t'es supposé être, Big Guy? Est-ce que tu... Alors, a real brown of this outfit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu ressembles à ce que tu t'habilles, j'imagine? Comment tu t'habilles? Tu sais quoi? Je m'en fous. Je ne peux pas être dérangé à me rappeler de ton nom et de ces choses-là. Personne ne tiendra face à ma drill mécanique. Stupide. Tu vas devoir... Tu vas faire écrouler toute la mine avec cette drill géante. Comme si ça me dérangeait. Je suis juste là pour la chimérite. Et j'ai l'impression que vous êtes en travers de ça. Et de ce que je veux.
tu veux vraiment m'arrêter, tu vas devoir venir me battre. C'est vraiment une invitation. J'ai l'impression hein, que c'est vraiment une invitation. Ah, tu veux prendre, tu penses qu'on peut le prendre, qu'on peut le s'en débarrasser? Eh bien, on va devoir essayer. Il est en train d'essayer de tout détruire dans cette mine. Carton, prépare-toi. Je pense que ça va être compliqué. Baissez-vous. Alors, c'est plus full beneath my mechadrill. C'est plus implorer ma mechadrill, quoi. On va prendre, bien entendu, vous vous en doutez, le Hooligan Deck. Pour gagner cette bataille, bah Félix en détruisant sa drill. Ah d'accord, on est là, on apparaît ici, c'est l'enfer, j'ai envie de dire. On va essayer de se protéger ici. Hein. C'est en combien de tours qu'il se déplace d'ailleurs? Voilà, on est protégé. Bon, on va voir comment il se déplace déjà. Ha ha ha, j'espère que tu vas goûter à Madrid. Non. Ok, ça se passe comme ça. Je pense qu'il va traverser. C'est une attaque de ligne, mais c'est génial de poison, trop bien. Un truc de protège quoi là. Hein. HP, ok. Donc si on les points, si on les fait en sorte que les personnes soient en haut au moment où, où ça se passe, c'est bien. Bien fait de prendre Spin Rat. On va essayer de faire un truc. Lol. T'as combien d'attaques toi? 4 plus le poison pour 3 tours. Ouais, si on se pointe là, en fait, il va forcément devoir se pointer. Donc on va se mettre là. Et on va attendre. Ok. 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 Bon, si vous restez là, moi ça me va. Hein. Avec Sparko, on peut traverser les murs, donc... c'est très bien.
Ah, le chemin il est en haut, d'accord. En fait, faut faire des allers-retours. On commence sur la ligne, après on monte, après on descend, enfin monte, on descend, etc. Donc en fait c'est ça un peu le chemin. Ok. Bon, normalement tu meurs à la prochaine de toute façon. Y'a pas de problème. Oh bah tiens, on va essayer. T'as combien de déplacements? Oh, t'as pas grand chose. Attends. Mince. Ah, je peux déplacer en étant invisible? Mais c'est génial. Prochain tour, t'arrives là? Ouais. Quel enfer. Oh, le soin. Merci Nibbler. Alors, vous avez dû voir apparaître quelque chose qui n'aurait peut-être pas dû être visible tout de suite. Mais c'est pas grave. On a réussi à passer le niveau, Nibbler. Je sais pas si t'es au courant. Bon. On est un peu dans le cac. On va prendre des coups, là. On a eu un panneau exact. Et ce panneau est dans le futur de l'interfait. Quelque chose qui sera utile. On est au boss, du coup, de choses que nous avons décidé de faire. On va faire ce chemin-là, plutôt. Voilà. On va se prendre des coups avec Spirunette, mais c'est pas grave. Ah bah non, c'était au bon moment. Ok, cool. Cool, cool, cool. Et du coup, j'ai deux personnages en plus. Notre petite araignée, qui a l'air bien douée. Et notre pomme voleuse. Merci, merci. Hein. Je t'envoie des cœurs. Bien entendu. C'était dur. Mais le deck a joué en notre faveur. Ouh là là, bon boomer qui arrive. Voilà, donc on a notre petite pomme voleuse qui peut se mettre en attaque secrète, on va dire. On va peut-être monter, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils seront invisibles. On va peut-être monter avec Spirunette. Passer. Si. Si. On le tente. Voilà. Comme ça. Donc lui, il va se pointer, il va se mettre là. Faudrait que je me mette là. Chose que je ne peux pas. On va se mettre là. On attendra le prochain tour. Ah, je me disais à quel moment il y a des gens qui allaient creuser avec moi. Bah c'est bien. Les déplacements, les gens là, s'il vous plaît. C'est un peu l'enfer là ce qui est en train de se dérouler.
Ha! Moi je veux bien que tu montes, hein. Tu restes ici? Moi je suis pour. Oui! Venez les bourrins qui veulent se taper, venez me voir. Je suis tout à fait enclin à venir vous retrouver. Donc toi tu vas mourir au pro... Alors, vous allez pas mourir tout de suite, c'est ça le truc. Le problème c'est ça. Mais toi, tu vas risquer de te pointer par contre. Si je fais ça, tout d'un coup, tu me vois plus. Et ça, c'est la blague. Et nous, on va traverser par ici avec ce parcours parce que ça va être plus simple. Lol. Bah, prends-toi, hein. Pas de problème. Tranquillement.
Voyons voir qui va-t-il choisir. Ah bah moi, lol. Ah! Autant de personnes. Oh, j'avais oublié qu'il allait avoir ici. Oh, okay. Si je m'enfuis, oui. Oui, oui, je m'enfuis. Salut! Même si je me mets là, d'ailleurs, ça se passe bien. Voilà. On va essayer d'occuper l'espace ici. En passant par là. Tu nous mets pas en danger. Ah, y a des gens préférés ici, je vois. Bon. En 20 tours, on n'y arrivera pas. Donc ça fera 5, 3, 8 moins 3, ça fait 5. Bon, écoutez, on va faire un truc. On va se débarrasser de lui, là, parce qu'il m'énerve. Toi, salut.
Ah, j'ai pas tapé assez. Je pensais que j'avais bien calculé. C'est bête, je me suis mis là. Oh. Non, ça devrait aller. J'ai fait n'importe quoi. Bon, le coup de le faire venir ici, mon boomer, c'était nécessaire, mais par contre, ouais, après, j'ai fait n'importe quoi. La pomme pour autre chose que de bloquer ici parce que ça sert à rien en fait. Il tape pas assez enfin il tape pas assez fort quoi. J'aurais pu le faire deux fois en fait. Quel enfer. Est-ce que je traverse là? Non. Merci.
Ça se passe bien. Oki oki. Bon, je vais prendre un coup. Je vais prendre un coup. Mais au moins, ils seront dehors. Ah, j'avais oublié que c'était à distance. Trois coups. Ok. Mal joué. C'était un mauvais tour. Mais qu'est-ce que je fais avec cette prise? Attendez. Je vais me mettre en plus juste 3 secondes, j'enlève la cam, 3 minutes. Ok, donc si je ne sais pas mettre de prise, faut me le dire. Hein. Bon, toi tu meurs de toute façon. Le moment de faire ça. Ah, Spituna, ça serait pas mal, mais... Ouais. Ah oui, d'accord. Donc là, en fait, on va pas pouvoir beaucoup attaquer, là. On s'enfuit. C'est un peu l'idée. Bah écoutez, on va s'enfuir vers l'avant, j'ai envie de dire.
Normalement, il meurt à la prochaine. Hein. Ah non, mais il y a un mec qui va se pointer là. Ah oui, il reste cette personne. Ah bah non. Tout de suite, c'est mon marrant. Sparko qui vit sa meilleure vie. Allez, faut traverser moi. On n'a pas la bonne personne pour ça. Oh là là. Ça aurait été bien. Bah écoutez, on va devoir patienter. Ce qui sort de là, c'est... il n'y en a plus personne sur le terrain. C'est les marteaux. Et ils se déplacent en deux temps ici. Donc du coup, si je me déplace... Ah non, mais je peux plus me déplacer là. C'est fini. Ah. Ah. Parce que là, je vais pouvoir taper plus, mais... Est-ce que c'est mieux? On fait ça. D'ailleurs, ça fait combien? C'est un coup. Half damage. Donc ça veut dire que là, je suis à 2, ça fait 1. J'en ai combien? 1. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je
peux faire 7 coups. Et du coup, ça peut être pas mal. Mais d'abord, faut que je finisse lui. On va faire ça. Parce qu'en fait, le problème, lui, je pourrais pas le gérer après. On va faire ça. On le fait descendre au maximum. Voilà. Et du coup, toi, ton déplacement, c'est quoi? C'est 3. 1, 2, 3. Donc, tu pourras me taper ici. Par contre, tu pourras pas me taper là. Ah oui, non, c'est à distance. Donc oui, si, en fait, je suis dans le caca. Je me fais forcément taper. Soit je reste là, et du coup, t'es obligé de reculer. Et du coup, ça va être ici que tu vas te mettre. Et je pourrais te taper, là. Oui, bon, voilà. On reste ici. Toi, t'es dead normalement dans pas longtemps. Ça serait bien de ramener des gens, par contre. Ou sinon, on fait la technique de je fonce sur toi et après je m'enfuis. Ce qui marche aussi. Voilà. Toi, tu vas te pointer, tu vas te mettre là. Donc, du coup, si je me mets là, comme ça, ça spawn plus. Et si on ramenait notre Sparkle maintenant? Ah, je serai à 1. Quand même. Il peut me tuer lui. Oh là là. Bon, on va voir. Qui tu choisis? Ah bah, il va choisir direct, Spiritus. Il va choisir forcément le plus beau, hein. C'est sûr. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est toujours bien d'avoir. Parce que là, on a plein de monde qui tape à loin, qui s'approche plutôt de trop, donc.
On rééquilibre un peu le truc. En fait, faudrait absolument que je puisse faire monter quelqu'un là-haut. Pour se débarrasser de tout le monde, parce que là... ça devient complexe. Je fais une percée. Deux. Voilà. Voilà. On n'avait pas envie de te voir. Cactus, ça pourrait être intéressant. Donc 3, 1, 2, 3. Faudrait que je me débarrasse de tout le monde là. C'est pas intéressant. J'ai pas envie de te voir en fait. Voilà. Donc je veux voir comment on tape ce truc là, faut être sur les deux premières, j'imagine. On joue tranquille, hein. Pas cool. Oh, y a l'autre mec qui s'est pointé en dessous. Je me suis pas caché là, non. Non, tout, mais pas ça. Ah, il va avoir du mal à s'enfuir en plus. Je vais essayer un truc. Ok, il peut devenir en plus... Ok. Ok. Faut que tu bouges absolument. J'ai deux, j'ai peut-être moyen de me sauver deux fois. C'est jusqu'où tu vas, toi? Ah, on va faire ça. Ah, ça marche.
C'est bien propre de méchant cette zone de combat, mais genre les mecs apparaissent à l'infini. Oui, tant que j'ai pas bloqué là-haut, c'est compliqué. Mais là je vais bloquer en bas. Parce qu'en fait c'est en bas que ça me pose problème. C'est surtout ça. Hein. Voilà. Ça c'est bon. Donc on peut attendre un petit peu. Maintenant. On va aller se débarrasser de lui là. On va laisser Sparko ici. Ah mais toi tu te déplaces pas du tout en fait. Donc reste là. On a par contre besoin de Spituna je pense. On va essayer de faire le mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut plutôt. Avec Spituna. Donc là toi tu es arrivé ici. Obligatoirement ici. Donc nous on va se poser juste avant. En fait, ce serait bien d'avoir de la vie, mais on n'en a pas. Voilà. Non, mais l'idée de l'empoisonnement est bien. Parce que là, il perd des vies, alors qu'on n'est pas à côté, donc ça, c'est pratique. Par contre, il nous faut absolument des gens qui puissent taper ces deux-là, hein, parce que... Et faut qu'on traverse, en fait. Faut qu'on traverse là-haut. Avec Sparko, peut-être que je vais faire ça. Ouais, là, si j'arrive à avoir plein de moyens de me déplacer. Oh, il y a Spirit. Oh, c'est moi. Il y a moyen qu'on traverse. Et qu'on se débarrasse de tout le monde. Oh là là. Parce que toi, t'as combien de vie? D'attaque, ouais, t'as rien. Alors que toi, on pourrait s'amuser. Hein. On pourrait s'amuser. Sauf que là, si je te claque, c'est mort. Ouais, de toute façon, ça sert à rien, on pourra pas se déplacer. Donc là, c'est très bien. Hop. C'est exactement ce que je voulais faire. Derrière, ça va être clignote, mais ça sera pas tout de suite. Donc du coup, on peut se déplacer. Récupérer de la vie. Le taper. Se replacer. Non, par contre, là, il va forcément me taper. Du coup, peut-être que ce serait bien que je m'enfuis en haut. Pas forcément en haut d'ailleurs, je pourrais me mettre là. Hein. Sinon je fais ça. Ah je ne sais. Parce que là je vais forcément mourir. Il y a forcément quelqu'un qui va mourir ici. Spituna il peut prendre le coup. Le mieux ce serait peut-être de les envoyer ailleurs. On va essayer d'aller là-haut. Là-haut lui il va me défoncer donc ça, en fait ça change rien. Donc on reste là. Spituna il peut prendre le coup de toute façon. On aura encore le problème du mec en dessous. Quel enfer. Oh il est plus empoisonné en plus. Oh là là. Diagonale, bien sûr, j'avais oublié qu'ils faisaient les diagonales. Oh, ils sont chiants. La retraite est impossible. Bon, on va devoir monter. On va devoir monter parce que là, il y a un gros problème. On a un gros problème ici. C'est lui, là. Lui, il m'énerve. Toi, tu pars. Je veux pas te voir. S'il te plaît. Par contre, là, faut qu'on se barre. Donc, Je suis pas très protégé, donc toi tu peux faire ça. Toi t'as attaqué, donc tu peux. On va monter par là. J'en ai marre de. Donc on va passer par là-haut. Voilà, on va faire ça. Ah ouais mais en fait ils vont faire le même truc. Faut de la vie là. Mais il nous faut de la vie. Donnez-nous de la vie. Je fais n'importe quoi depuis 3 tours, 4 tours, 5 tours peut-être même. 5 je pense. Depuis que je suis bloqué ici en fait. Enfin, j'ai dû me rester ici. Ah, donc toi c'est bon. Lui faut absolument le bloquer mais je sais pas comment on va faire.
Bon, déjà ça. Faut absolument que je bouge lui. Ça c'est bon pour toi. Ok. Bon bah on attend. On attend. Donc le voilà, va falloir se débarrasser de ça. Ouh là là. Voilà, comme ça c'est très bien. Ligne d'attaque, est-ce que je peux faire une ligne d'attaque vite teuf? Ça clignote en dessous. Ouais. Elle peut pas se planter. En un tour, elle peut pas se planter, donc je m'en fous. Je récupère de la vie pour qui? Pour toi. Bon. Ah, il va mourir notre Teen Spirit. C'est dead pour lui. Il y a un truc que j'ai mal joué, mais je sais pas si c'est... Je sais pas. On va voir. Ça prend trop de temps, là. Je sais pas à quel tour on est, mais là, ça prend trop de temps. Mais bon, oh. Oui, c'est bon. Ok. Il va falloir traverser le tambour Inoman. Notre cher marteau.
Qui se déplace vite là dans le coin? Personne. Oh là là. Oh, on l'a pas. Si, on l'a. On l'a. On l'a. Tout va bien. Ok, maintenant faut y aller. Il faut y aller, les gens. Il faut qu'on embarque Spituna en haut. Et Sparko en haut. Et on peut y aller. Pourquoi ça rame là? La vie! Oh! Il y a le cactus en plus, s'il vous plaît, la vie. Non. Quel enfer. Je viens de sacrifier ce Spurunette juste pour pouvoir lui mettre des coups de poison. Quel enfer. J'avais mal calculé. Faut que je place mieux mon boomer aussi. J'aurais dû faire ça plutôt que... 39 tours! Oh là là, quel enfer. Oui, non, mais c'est pas grave, ça. Non, le poison, ça sert pas à grand chose. Ça peut être intéressant après. Faut juste que je replace voilà ici. Ah ouais, mais toi tu vas prendre cher. Hein. C'est parti pour le grand tour de chauffe. Pour qu'ils perdent le maximum de points. Ça aurait été bien s'il y avait Spirunette, mais on est bien. Ça
Au cas où. Ouais, en fait, non. C'est pas au prochain tour qu'il va nous foncer dessus. Hein. On est d'accord? On est d'accord. Bon, allez, c'est parti. On continue. Il a masse de... Je crois que... Voilà. Il va perdre 3 points de vie. Ah, c'est fini pour lui. C'est fini. Ça, c'est pas grave. Prochain tour, de toute façon, c'est mort. Donc, quoi qu'il arrive, c'est notre commandant qui est en place, donc ça devrait aller. C'est la win! Oh, un concoptor! Cycle After Effect? C'est une blague. Ah, c'est une blague de personne qui utilise After Effect. Ma beautiful machine, ma belle machine, tu l'as défoncée! Je n'y crois pas, tous ces vers qui ont interféré dans mon plan encore. Qu'importe ce que j'ai pu faire. Non, ce qu'importe, j'ai autant de chimérites. J'ai assez de chimérites plutôt. De cette mine. Je me barre. Stop, arrête-toi, Bernard. Pars de là, big boy. J'ai un programme, moi. Non, pas avant que tu ramènes là. Qu'est-ce que tu planifies, Félix? Qu'est-ce que tu comptes faire de cette chimérite? Tu voudrais pas savoir non plus tous les petits détails. Disons juste que j'ai des plans pour tes petits floppy night. Tu pourrais utiliser comme mot la domination totale mondiale. Maintenant, vraiment, je m'ennuie. Enfin, je commence à m'ennuyer. Et si tu me laisses pas passer, je suis sûr que cette drill a encore un tour dans son sac. Et je n'aimerais pas être dans son chemin. Bernard, bouge-toi. Ah, ah. Bernard, toujours dans les bons bails. Il s'est enfui. C'est le premier plan qu'on voit comme ça. Au moins, il a fait un tunnel pour sortir. Autant de chimérites... le nombre de chimérites qu'il a volé pourrait amener un pouvoir astronomique. Tu penses qu'il a tout planifié qu'il a planifié quelque chose de très sérieux? Bah oui. Non, qu'importe ce qu'il a planifié, c'est gros. C'est grand. Bernard. Je n'y crois pas que tu as fait front à Félix. C'était vachement brave. J'espère que... Je ne sais pas si j'aurais pu tenir plus longtemps face à cette drill. Eh bien, merci. Merci. Oui, plutôt. Je voulais t'aider. Qu'importe comment. Vous avez vraiment été... vous m'avez vraiment sorti de tous ces petits problèmes. Allez, on se barre. La caverne est ouverte. Le mineur. On peut avoir notre chimérite et finir le travail spécial sur ce virus spécial. Et Bernard, continue ses vacances. Oui, Bernard, c'est le moment de se relâcher. Oh, merci. Je pense que je vais prendre ma retraite de tous les travaux d'héros. Et je vous laisserai le World Saving Stuff, donc ça veut dire le sauvetage du monde à votre duo héroïque. Carlton, je pense que c'est le moment. On devrait demander quelques aides. Bon. On a enfin fini l'épisode. C'était dur. Hein.
Bon, les objectifs, on les a pas réussi à le faire. Il nous en reste deux. Je sais pas combien de temps je suis en live là. Depuis combien de temps on est en live? Alors, voyons voir, c'est où que c'est écrit. Eh bien, je ne vois point. Statistiques de Twitch, ça doit être ça. Y a pas le nombre de temps. 2h26. Bon. Ouais. Ça pourrait être intéressant de s'arrêter. Je vais regarder qui y a. Le problème, c'est les vacances aussi. Enfin, c'est les vacances et les repos pour plein de monde, donc je sais pas s'il y a du people. Ok. Est-ce qu'on essaierait de voir juste la gueule que ça a à la suite? On va regarder aussi le cycle After Effect. Le cycle After Effect, il est où le cycle After Effect? Ça a l'air pas mal ça. Ah, c'est un boss des hooligans. Ça rajoute une unité. After Effects, ça rajoute une unité. Non, ça déplace une unité et ça gagne une énergie par tour. Quoi, on peut pas rajouter? C'est quoi, c'est un monstre? Non? Là, je comprends pas. C'est un hooligan, il est en noir. Je peux pas changer ça. Ah bah, il faut que j'enlève quelqu'un pour pouvoir ajouter quelqu'un d'autre, ok. Mais ce parcours, il était bien, hein. Surtout avec son cycle crowd surf, là. After Effects, ça déplace. Ah, du coup, je comprends pas la signature. Ah, donc du coup, ça rajoute ça, mais ça rajoute un déplacement. Et de l'énergie. Ouais. Je préfère ça. Hein. Du coup, on a quoi d'autre à acheter aussi? Oh! Teen Spirit, ah, par la fenêtre. Enlève tous les statues. Smoke Bomb pour avoir encore. Attaque un ennemi, si l'ennemi est empoisonné, ça fait des dommages en plus. Ok. Maintenant, ou plus tard, tire deux cartes, perd une énergie pour le prochain tour. Ok. Bon, la carte de Teen Spirit était belle. On va aller checker vite fait. Quelle gueule ça. Oh, c'est la plage. On regarde vite fait, je pense qu'on va pas réussir à faire le truc, mais. Mais voilà, vu qu'on a pris 15 ans pour pouvoir faire juste. Pour juste faire le. Comment ça s'appelle? Le premier monde de l'avant dernier, hein. Enfin de l'épisode qu'on vient de faire, c'était compliqué. Avec toute cette chimérite, tu as vraiment pu finir tout ton travail sur ce virus plutôt rapidement. Oui, j'espérais que ça suffirait pour faire tomber Félix. Je pense que c'est une très bonne idée de venir sur cette plage, la Steel Shore Coast, et demander de l'assistance. Les plus grands inventeurs et mécaniciennes habitent ici. Exactement. Et il s'avère qu'on les connaît. Rowan, donc. Est-ce que ce ne serait pas Phoebe et Carlton? Rowan! Je m'attendais pas à vous voir ici. Mais je suis absolument enchanté.
que vous ayez décidé de passer voir faire une visite. Qu'est-ce qui vous amène ici dans mon humble invention, imagination, il se la pète. Rowan, on est venu vous demander de l'aide. On a un gros problème entre nos mains. Tu vois ce large Nefarious, alors... Nefarious est méchant, quoi, grosso modo. Robot bleu qui s'appelle Felix. Qui on a l'impression on a l'impression que... qu'il a fait ses propres floppy nights. Il a fait ses... Quoi? Il a fait ses propres floppy nights? Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un d'autre? Non, mais c'est définitivement la même technologie et il l'utilise pour pouvoir me bully et attaquer d'autres personnes. Il a volé aussi des tonnes de chimérites et nous sommes inquiets à propos de ce qu'il prépare. J'ai essayé de trouver un plan pour pouvoir l'empêcher de faire plein de choses, de faire son plan, quoi. Et j'ai développé une sorte de virus infusé de chimérite, un virus, pour le faire tomber. Et si tu peux t'approcher assez de Félix, on peut mettre à jour ce virus, enfin l'enregistrer, quoi. Et on devrait pouvoir enlever tous ces fichiers root et l'éteindre. Tu ne cesses de m'épater. C'est vachement sérieux, ton truc. Phoebe a travaillé sur différentes... a travaillé diligemment sur ce programme pour assurer son efficience. Ce Félix doit être une sorte de... Enfin, bitchy, ça doit être quelqu'un d'important. Disons juste que c'est un type qui veut détenir le pouvoir, un pouvoir destructif. Comment je pourrais vous aider? Si on a une meilleure idée de ce qu'il pourrait construire, on devrait avoir la possibilité de le suivre. Eh bien, tu as dit qu'il avait volé pas mal de chimérites. On dirait que il a l'air de faire quelque chose de plutôt grand. Ça doit être dur de cacher ce genre de choses. Intéressant. Quoi? J'ai remarqué qu'il y avait des robots bizarres devant chez moi. Ah, c'est pas toi? Ah bah non. Est-ce que tu voudrais bien m'en débarrasser? Ils arrêtent pas de me... On est tout entouré, nous aussi. Est-ce que c'est des floppy nights? Est-ce que tu penses que c'est Félix qui fait ça? Allez, on va le trouver. On va essayer de savoir. Eh bien, essaye de faire ce que tu peux. Mais fais attention au paysage. Bon. J'ai cru voir des floppy nights que j'ai pas envie de voir. Entre autres, les mécaniciens là, qui ont l'air de réparer. Mais ça, c'est pas cool. Et ces fusées qui ont l'air de foncer tout droit. Moins cool aussi. Ah, intéressant, tout de suite là. C'est de l'eau, on peut traverser. Ok. Ah oui. Ah non, ça va, ils vont pas si loin que ça. Mais par contre, eux, là... Eux, ils doivent faire archi mal. On met la cam. On fait que tester le niveau, hein. Mais je pense que eux, là, ils doivent faire tellement mal. Ah,
J'aurais pas dû faire ça. Parce que je vais me faire mon bouclette par une. Alors du coup, il doit taper fort quand même. Ah, ça tape de loin aussi. Ah, ok. Je n'avais pas compris. C'est vrai que j'ai pas regardé bien leur stat. Apprendre à lire un peu ce qui est écrit dans le jeu. Alors du coup, on va checker ça tout de suite. Donc eux, ils tapent à 4 et ils peuvent se déplacer pas mal. Par contre, ils tapent proche. Eux, ils tapent de loin. Ça valait pas le coup. De faire quoi que ce soit. Bon, ça n'a pas l'air dur hein, comme monde, n'empêche. C'est juste qu'il spawn. À part ça, ça a l'air d'aller. Et si on arrive à bloquer les gens, c'est bon. N'importe quoi. Bon, voilà. J'ai fait n'importe quoi. Ça se voit que j'en ai marre. Bon, du coup, on va aller voir Brigannian. Parce que j'ai vu que Brigannian était dans le coin. Donc, je vous fais des cœurs dans le chat. Hop, hop. Et merci d'avoir été dans le coin. On a réussi à avancer, c'est cool. Voilà, des cœurs. See you soon. J'espère. Dans pas longtemps. A plus. Tum, 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 tum. Je vous laisse la musique. Hein. Tum.